Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. D'abord, je suis Victor Adoukounou, je suis le président de la diaspora togolaise aux États-Unis. J'ai accompagné une équipe de plus de 20 Togolais qui sont intéressés au programme Agua. Aux États-Unis, je travaille dans un non-profit organization financé par le gouvernement. Mais moi-même, je suis un consultant en matière de business et un potentiel investisseur. Qu'est-ce qui justifie votre présence au Togo? Actuellement, nous avons à Goa, nous avons la chance que ce soit le Togo, notre pays, qui abrite le sommet de la Goa. À Goa, c'est African Growth Opportunity Act, un programme américain qui consiste à ouvrir le marché américain à certains produits africains, et que ce soit dans le domaine de l'agribusiness, dans le domaine textile, dans le domaine artisanat. Et donc ma présence ici en conduisant cette forte délégation, c'est de pouvoir d'abord venir et donner une assurance à nos frères et sœurs au Togo que le marché américain, c'est une grande opportunité, nous pouvons les représenter, nous pouvons les faciliter l'accès à ce marché. C'est aussi une manière de pouvoir aussi sensibiliser les compatriotes qui sont dans la diaspora à trouver l'Afrique, et le Togo en particulier, comme un pays d'investissement, parce que il a la demande est forte, il faut que l'offre aussi puisse être à la taille de la demande. Et pour qu'il y ait assez d'offres, il faut que nous puissions aussi investir, aider nos frères et sœurs ici à produire davantage, les informer sur les normes qui sont exigées, et faire en sorte que aussi nous puissions les représenter ou bien les faciliter l'accès à ce marché américain. Donc notre devoir de venir ici, c'est une manière de donner en retour à notre pays par les opportunités d'investissement qui nous intéressent, mais aussi une manière de pouvoir aider nos opérateurs économiques à pouvoir explorer davantage le marché américain. Donc nous allons essayer de faire ce que nous appelons le network, et au même moment nous allons aussi avoir l'opportunité de rencontrer d'autres investisseurs africains ou bien américains et leur faire savoir que la diaspora togolaise aux États-Unis est une ressource sur laquelle ils peuvent compter pour pouvoir améliorer l'échange commercial entre l'Afrique et les États-Unis. Merci, monsieur. Premièrement, mon nom c'est Chantal Montor, épouse Aïnou. Je fais partie du bureau exécutif de la DTUSC Diaspora Togolaise aux États-Unis. Donc, je suis une des déléguées à Agua de notre bureau exécutif. Et puis, on fait en même temps partie de Civil Society. Donc, on est venu dans le biais de Civil Society. Oui, et la spécialité de votre société, c'est quoi? Au fait, particulièrement, nous, aux États-Unis, on aide les Togolais qui sont sur le territoire américain pour pouvoir s'épanouir, et on se donne des informations pour qu'on arrive à vivre aisément aux États-Unis, faire le social et en même temps faire l'économie, parce que sans l'économie, sans les finances, sans s'auto-suffire,
on ne peut rien faire. Donc, c'est dans ce domaine-là qu'on s'est réunis en tant que Togolais aux États-Unis pour pouvoir faire on se partage les opportunités. Et puis par là, on arrive à s'autosuffire financièrement et de là, on peut faire quelque chose à nos parents au pays et puis investir au Togo aussi pour pouvoir participer à l'économie togolaise. Merci. La société Jaguar Togo participe à la conférence de Agua Forum. La société mère se trouve aux États-Unis. Nous sommes dans l'import et export. Nous sommes dans le transport et nous nous occupons aussi également de ceux qui ont eu la chance de gagner l'auto-visa. Bon, l'import-export, si quelqu'un a décollé aux États-Unis, pour amener au Togo, nous s'occupons de ça, de même du Togo là-bas. Bon, si les gens cherchent des produits de toutes sortes, que ce soit friperie, voiture, ça dépend des appareils, de n'importe quel domaine, la société mère qui est aux États-Unis s'en charge de cela. La société fait des recherches jusqu'à ce qu'il trouve le produit, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou en Europe. Parce que cette société a des relations avec des sociétés américaines un peu partout dans le monde. C'est ça la société Jaguar. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.